Voilà, donc pour ce petit voyage au Canada, j'ai eu le plaisir de louer une Ford Mustang. Je suis arrivé là et aux surprises, on m'a donné une 8 cylindres, 5 litres de cylindrée. Elle est grise. Voilà, je vous fais visiter l'intérieur vite fait. Bon, à l'arrière, il n'y a pas grand-chose. Deux places uniquement. C'est une voiture pour 4 personnes. Et maintenant, donc là, bon, le tableau de bord est éteint. C'est un modèle de 2018. Donc c'est les nouveaux tableaux de bord avec un écran à la place de compteur qu'on peut personnaliser, couleur et tout le tralala. L'écran de qui sert à gérer un peu toute la voiture. Donc là, il est en anglais. Si j'appuie sur Engine Start, le tableau de bord va s'allumer. Voilà. Donc là, tout est en anglais. Mais ça reste en kilomètre-heure. Distance, si je change kilomètre-heure ici, que je mets miles, la distance change, mais pas la vitesse. Après, je reviens en français. Ah bah dis donc, il met du temps à charger la Langue langue réglée française. sur français. Voilà. Distance en kilomètres. Voilà. Et le compteur, une fois allumé, ça donne ça. Donc si je démarre. Voilà. Ensuite, on peut aller dans les menus ici. Alors, c'est difficile de tenir le téléphone. Voilà. Et en même temps, avec l'autre main, je vais essayer de. J'appuie là. Et avec les boutons qui sont sur le volant, je peux afficher par exemple le contrôle d'accélération. Ok. Voilà. Contrôle d'accélération. Là, c'est un contour et ensuite, voilà, performance du freinage, verrouillage des freins avant, chronomètre de tour, enfin des trucs qui servent pas à grand chose. Option de démarrage, piste de course, c'est pas pour tout le monde. Donc là, je fais retour, retour. Ensuite, dans instruments, je peux afficher les instruments. Voilà, vous voyez, comme ça. Trois petites jauges, bon, c'est pas. Vraiment à quoi ça correspond. Ok, configurer ma jauge, donc ratio air carburant, température de la culasse, pression d'huile moteur. Voilà, on peut en mettre 3. Donc si je veux en afficher une autre, faut que j'enlève ça là. Voilà, je peux mettre température d'admission. Ok, et là je fais retour et normalement les jauges ont changé. Bon, alors après My Color, on peut changer les couleurs. Couleur principale, tiens, on va mettre du vert, du violet. Tac, voilà. Ok, retour. Couleur secondaire, on va mettre du. Ah bah alors, du orange. Tac, retour. Éclairage ambiant, niveau d'éclairage, couleur ambiante. On va mettre. Blanc. Tac. Et voilà. Hop. Et là, normalement, les couleurs ont changé. Voilà. Je reviens dessus pour enlever les jauges. Instrument. Afficher instrument. Mince. Instrument. Track apps. Voilà. Option de démarrage, c'est pas ça. My mode, afficher l'état. Voilà. Ça, c'est l'état de. Alors, la direction, elle a plusieurs modes, normal, sport, confort. La boîte de vitesse aussi, une position sport, forcément, sur une voiture comme ça.
clim. Bon ben voilà quoi, c'est tout. Hein. Alors comment j'avais fait pour si j'appuie là, ah, on peut avoir aussi les destinations précédentes de la navigation. Destination précédente par exemple. Voilà, on défile dans les destinations, on choisit sa destination et hop, il n'y a plus qu'à faire et il nous y emmène. Destination précédente, favori, pays où il est plus près. Bon, bah ça marche avec le navigateur. La navigation qui est là. Voilà. Bah, sinon, on a aussi le. Enfin voilà.